La France fut le premier pays à reconnaître le Conseil national de la Révolution. Que pense le régime du président Sarkozy ? Tout d'abord, il faut que Sarkozy rende l'argent qu'il a accepté de la Libye pour financer sa campagne électorale. C'est nous qui avons financé sa campagne et nous en avons la preuve. Nous sommes prêts à tout révéler. La première chose que l'on demande à ce clown, c'est de rendre l'argent au peuple libyen. Nous lui avons accordé une aide, mais il nous a déçus. Nous avons tous les détails, les comptes bancaires, les documents et les opérations de transfert. Nous avons décidé d'assurer l'application de la résolution du Conseil de sécurité exigeant un cessez-le-feu immédiat et l'arrêt des violences contre les populations civiles en Libye. Ce que vous voyez depuis des semaines, ce que nous voyons dans les rues, ce ne sont pas des manifestations, mais des milices armées qui font peur aux gens et qui les tuent. Elles ont exécuté des policiers à Al-Baïda, elles ont pendu des gens sur les ponts à Darna, elles ont brûlé un homme sur la place publique à Misrata. Ces hommes ne croient ni au dialogue, ni aux droits de l'homme, ni à la démocratie. Ce sont des criminels. Et ils le prouvent en prenant des photos et des vidéos de leurs actes. Dans ce contexte de tension énorme entre la Russie et l'Occident, avec la guerre d'Ukraine, nous allons voir aujourd'hui ce qui s'est passé en Libye. Alors les images que vous allez voir sont tirées de reportages que j'ai faits là-bas en 2011 pour des télévisions françaises. Alors pourquoi les États-Unis, la Grande-Bretagne et la France ont-ils décidé de faire la guerre en Libye? Alors pourquoi cette volonté d'en finir avec le colonel Kadhafi? Je vous renvoie à un discours qu'il a fait à Sirte lors d'une réunion de la Ligue arabe. Évidemment, on ne peut pas dire qu'il était pro-américain. Amar Moussa, le secrétaire de la Ligue arabe, reçoit de l'argent du Qatar pour préparer la présidentielle en Égypte. Nos frères qatariotes lui ont demandé de jouer ce rôle. Amar Moussa n'est pas légitime, tout comme les autres présidents arabes qui ont hérité du pouvoir et qui règnent en dictateur. Ils se prennent pour l'Union européenne ou les États-Unis. La Ligue arabe est une véritable pièce de théâtre. Et alors, qu'est-ce qui s'est passé avec Nicolas Sarkozy? Pourquoi Sarkozy a-t-il voulu éliminer Kadhafi? Je vous renvoie au mail d'Hillary Clinton, alors candidate à la présidente des États-Unis, que le site Wikileaks a dévoilé, qui explique clairement pourquoi la France voulait la chute de Kadhafi. Quatre facteurs motivant l'engagement de la France. Premier facteur, un désir, je cite, un désir d'obtenir une plus grande
partie du pétrole libyen. Ça, on s'en doutait. Alors, accroître l'affluence française en Afrique du Nord, en particulier avec le plan de la Grande Méditerranée. Rappelez-vous, le plan de la Grande Méditerranée de Nicolas Sarkozy, c'était englober tous les pays de la Méditerranée autour de la France et faire un commerce avec tous ces pays. La Libye y était complètement opposée. Troisième raison, d'après Hillary Clinton, offrir à l'armée française une chance de rétablir sa position dans le monde. Et moi, je crois que c'est cette raison qui est la raison principale, arrêter le projet libyen qui était de remplacer le franc CFA par une monnaie panafricaine. Une monnaie panafricaine basée sur le dinar libyen, et les réserves d'or considérables de Kadhafi. Alors, qu'avez-vous encore l'intention de faire ? En vérité, j'ai l'espoir que l'unité arabe puisse voir le jour d'une manière ou d'une autre. Ceci est d'autant plus important que les Arabes ont connu la division alors même que le monde voit la constitution d'alliance. Les Arabes sont réduits à de simples bouts de papier, telle une plume emportée par le vent. Peut-être qu'ils sont maintenant prêts à une certaine unité arabe. Je dirais même mieux, j'espère voir naître un jour une union arabo-africaine. Alors, en février 2011, la population manifeste contre le gouvernement central. Scène de guerre en plein Benghazi. Samedi dernier, un char sème la panique dans le quartier d'Abalino. Les troupes de Kadhafi ne sont qu'à 500 mètres du centre-ville. Quatre jours après, au même endroit, les habitants sont encore sous le choc. Alors, il y a quelques heures, il y a 7 morts en tout. 7 morts. Et une proclamation de Kadhafi, malheureuse, qui dit vouloir écraser la rébellion. C'est alors que l'Angleterre, les États-Unis et la France saisissent le Conseil de sécurité. Le Conseil de sécurité de l'ONU dit vouloir également protéger ses populations et autorise la France, l'Angleterre et les États-Unis à faire une zone d'exclusion aérienne, d'exclusion uniquement. La Chine est tout d'abord face à ses propres contradictions, puisque hier jeudi au Conseil de sécurité, elle a fini par céder aux nations de la Ligue arabe, céder aux nations de l'Union africaine, qui elle voulait une intervention en Libye, qui voulait même une zone d'exclusion aérienne depuis très longtemps, et la Chine ne voulait absolument pas s'aliéner des alliés précieux pour s'approvisionner en matière d'énergie et de pétrole en particulier. C'est pour ça que la Chine s'est abstenue, n'a pas posé son veto à cette résolution qui autorise une intervention militaire en Libye, mais la Chine est opposée par principe à toute ingérence dans les affaires internes des États, pour la simple et bonne raison que ce soit dans la crise tibétaine ou que ce soit dans la crise avec les Ouïghours musulmans dans le Xinjiang en 2009, ces manifestations interethniques qui avaient dégénéré, eh bien la Chine, pour sous le feu des critiques de l'Occident, avait mis en avant ce principe de non-ingérence dans les affaires internes des États. Et donc la Chine est contre, par principe, contre toute intervention. Elle est aujourd'hui face à ses propres contradictions. Alors, chose curieuse, la Russie ne bouge pas. En effet, ce n'est pas Vladimir Poutine qui est aux manettes, mais Medvedev, qui est à ce moment-là président de la République. Vladimir Poutine n'est que Premier ministre. La machine infernale est en place. Nous avons décidé d'assurer l'application de la résolution du Conseil de sécurité exigeant un cessez-le-feu immédiat et l'arrêt des violences contre les populations civiles en Libye. C'est pourquoi, en accord avec nos partenaires, nos forces aériennes s'opposeront à toute agression des avions du colonel Kadhafi contre la population de Benghazi. D'ores et déjà, nos avions empêchent les attaques aériennes sur la ville. Alors, pour arriver à Tripoli, moi, je passe par la Tunisie et je vois des milliers et des milliers de personnes fuir
la Libye. Les dernières centaines de mètres avant la frontière libyenne. Ici, en Tunisie, se pressent plus de 20 000 réfugiés venant de toute l'Afrique. Ils ont fui les combats et les bombardements. Alors attendez, parce que les avions de la coalition, à ce moment-là, n'étaient autorisés par l'ONU que de contrôler le ciel libyen. Or, j'arrive, il y a des bombardements partout. Partout. Et des bombardements des forces de l'OTAN. Alors là, les forces de l'OTAN, comment ? Oui, des forces de l'OTAN. Car c'est l'OTAN qui a attaqué la Libye. Alors franchement, moi, je ne comprends pas. Je croyais que l'OTAN était une force qui, d'abord, ne s'occupait que de l'Europe, que des problèmes qui pourraient y avoir avec l'Union soviétique qui n'existe plus d'ailleurs, et que vient faire l'OTAN de l'autre côté de la Méditerranée. Objectif des frappes, le port et des centres de communication de l'armée libyenne. 9h, un missile tombe à proximité de l'hôpital central. C'est un bateau de garde-côte. La révolution du 1er octobre de Kadhafi est une révolution populaire. Je ne crois qu'en Dieu, Kadhafi et la Libye. Alors en 2016, il faut vous dire que la commission des affaires étrangères de la Grande-Bretagne a condamné cette intervention en disant qu'elle n'était pas justifiée. En 2016, je lis, l'intervention militaire fut fondée sur des postulats erronés. Erronés, car la menace d'un massacre des populations a été surévaluée. Que la coalition n'a jamais vérifié la réalité de ces massacres. Quand même, Raymond. Alors, c'est en fait une manipulation de plus. Zaouya, nous sommes en août 2011, j'arrive en Libye. Les combats sont très, très rudes.
Cela fait maintenant 2 jours que l'offensive venant du Djebel s'est déclenchée à la grande surprise de tous. La route entre Tripoli et la Tunisie est bien coupée. Plus de carburant, ni de vivres pour les troupes gouvernementales. La prise de Zaouïa est d'un intérêt stratégique pour la rébellion. Entrée dans le centre de la ville, encore pilonnée par les mortiers. Les quartiers sont ravagés par les combats. Le grand marché n'existe plus. Les combattants du Djebel sont des gardiens. Ils savent ce que c'est qu'une arme. Bienvenue à Zaouïa. Au pied de la grande route, des carcasses de chars détruits par l'aviation. Y a-t-il encore des snipers ? Oui, il y en a. Où ? Ils sont dans les immeubles de l'administration et de la banque. En face, les troupes de Kadhafi sont matraquées par l'aviation de l'OTAN, jour et nuit. Ils sont retranchés dans des quartiers de l'est de la ville. Ils tiennent les troupes du CNT à distance grâce à des tireurs embusqués qui contrôlent la plupart des grands axes. Les résistants ont pu rafistoler un char qui se met en position devant les immeubles occupés par les snipers. C'est au canon qu'ils les débusquent un par un. Mais cela ne suffit pas. Avec un petit groupe, je me rapproche de leur position. Leur tir tient toujours les combattants à distance. Il est 6 heures du soir, les positions sont inchangées. Zaouïa n'est pas encore tombée dans les mains de la rébellion. Quelques jours plus tard, me voici sur la place verte, la place centrale de Tripoli, où le guide libyen faisait toutes ses démonstrations. Sur la place verte, 8h30, un spectacle inoubliable que cette place désertée, qui était le symbole de la puissance de Kadhafi, rebaptisée place des martyrs, elle est gardée par 2 pick-up du GMT. 5 heures plus tard, après avoir été pris en otage par les troupes de Kadhafi, nous revenons vers l'école militaire qui est aux mains du nouveau pouvoir. La caméra est cassée, la voiture est criblée d'éclats, je n'ai plus d'ordinateur de montage. Mes images de la prise de Tripoli m'ont été confisquées. Je n'ai plus rien, alors je tourne ces quelques vues avec ce qu'il me reste comme caméra. Partout dans Tripoli, comme ici, les combats font rage. Les unités du colonel Kadhafi se sont repliées autour de l'hôpital, du bunker du guide et sur le front de mer. Mais petit à petit, des accrochages furieux ont lieu un peu partout dans la ville. Des groupes d'une dizaine d'hommes tiennent une rue, un immeuble, une place, ce qui rend la mobilité des résistants difficile. Par contre, les banlieues ont basculé dès le début vers la rébellion. Les insurgés tentent de placer des barrages pour contrôler la population, mais en vain. De violents combats ont été signalés près de la télévision, dont les insurgés ont pris le contrôle. Ici, à l'école militaire, des Kadhafis sont attaqués, faisant 2 morts parmi les troupes rebelles. Ces partisans de Kadhafi n'ont plus rien à perdre pour la plupart. On leur a dit que s'ils tombaient entre les mains des rebelles, c'était la mort qui les attendait et rien d'autre. En plus, des rumeurs font état de massacre. Des renforts sont attendus de l'ouest libyen, de Misrata. En 24 heures, le destin de la Libye a basculé.
Alors, c'est la fin du pouvoir de Kadhafi et le commencement de la deuxième guerre libyenne. Deuxième guerre qui, encore aujourd'hui, dure. Qui dure encore aujourd'hui. Bon, eh bien, écoutez, à bientôt sur ma chaîne. J'espère que ce récit vous a plu. Au revoir.